messieurs, bonjour. Bonjour. Avant de passer aux affaires courantes, j'aimerais évoquer un problème qui me laisse un peu perplexe. T'es au courant, Pompignon ? Quoi donc ? Tu sais pas la meilleure pignon de la comptabilité, tu devineras jamais. Alors, Robert, c'est Martine, t'es assis là ? Mais c'est Pignon ? Rebonjour. Oui, j'ai entendu dire ça, c'est vrai cette histoire ? Putain, c'est pas vrai, mais qui dit ça ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, François ? Mais ça me gêne peut-être d'en parler. Je sais pas, mais à ta place, je serais très gentil avec Pignon. Il n'y a pas la matière à plaisanter, il y a maintenant un problème Pignon et il faut le résoudre. Pourquoi ? Parce que. Vous verrez ce qui va changer, c'est le regard des autres. Le monsieur en bas à gauche, vous n'êtes pas dans le cadre. Hein. C'est pas grave, il est viré le mois prochain. Mais il le sait pas encore. Pauvre type. Non, c'est un con. Si je veux garder mon emploi. Sortez du placard, avouez votre homosexualité. Mais je suis pas homosexuel du tout. Ça, on s'en fout. L'important, c'est que les autres le croient. Et particulièrement votre patron. J'ai rien contre les homosexuels, moi. Fais chier ce PD. Je suis pas acteur. Personne n'y croira. Je serai démasqué tout de suite. Pas du tout. La seule façon de vous en sortir, c'est de ne rien faire. Regardez-moi cette folle. Restez l'homme timide et discret qu'ils ont côtoyé pendant des années. Ne changez rien, surtout. Vous verrez, ce qui va changer, c'est le regard des autres. Moi, ça ne m'étonne pas trop. Je l'ai essayé dans l'équipe une fois, et là, croyez-moi, on voit tout de suite les types qui en ont dans le pantalon. Il s'est pété la clavicule, ça a dû le gêner pour mettre ses bords. Dans cette usine, quels produits traitons-nous ? Les produits dérivés du caoutchouc. Et dans cette production, quel est notre secteur privilégié ? Les prés ? Les préserves ? Les préservats ? Tif ? Tu passes pour un gros macho qui bouffe du PD. Mais pas du tout ! Vous faites comme des tantes, là ! Si tu veux vraiment casser cette image, t'invites Pignon à déjeuner. Mais je veux pas déjeuner avec cet enfoiré. Chut. Et tu lui fais comprendre que t'es pas la brute qu'on imagine. Tu lui dis, je sais pas moi, que ce que t'aimes dans le rugby, c'est les douches. Les douches. Quand t'as un copain tout nu sous la douche et que tu lui savonnes le... Quoi, qu'est-ce qu'il y a, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas la matière à plaisanter, il y a maintenant un problème Pignon et il faut le résoudre. Oh, pardon. Elle a failli me déchirer ma chemise hier. Ah oui, c'est pas bien, ça. Pourquoi? Parce que... Disons que vous avez eu une vie bien vide jusqu'à présent et que... Maintenant, il vous arrive enfin quelque chose. Critics across America are raving about the summer's most refreshing alternative, The Closet. It's a story of an ordinary man who's about to lose his job until a friend offers to start a rumor. Now, he's about to come out of the closet he never went into. Newsweek says, if you're in need of a good laugh, look no further. Rolling Stone calls it hilarious, a delicious treat, and the New York Times raves, it's the most fun and liberating comedy I've seen in ages. The Closet, rated R.